inquiétez pas, Super Jordi est là. Orphel est aussi super-héros. Orphel? Super Orphel règle tous les problèmes. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Je suis d'accord. Morphel, transforme-toi en super combinaison pour que nous puissions tous garder un œil sur Orphel. Allons-y! Et voilà, une belle éolienne toute neuve. Super Orphel à la rescousse! Orphel, attends, attends! Oh, ce n'est pas censé aller aussi vite! Ne t'inquiète pas, Bob le fermier, on est là! Vite, Morphel! Il faut attraper l'hélice! Ah! Ouf! On l'a échappé, Belle! On va juste remettre ça à sa place, Fermier Bob. Voilà! Oh, vous avez sauvé la ferme! C'est ce que font les super-héros! Nous avons un autre citoyen à sauver. Au revoir, Bob le fermier. Super Orphel à la rescousse. Orphel, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce bus. Ok. Morphel, main magnétique. J'espère que vous allez bien, madame. Je vais bien. Merci, Jordi. Appelez-moi Super Jordi. Mon héros. Vous ne m'attraperez pas. Orphel, stop. Orphel, meilleur super-héros. Orphel, pas super-héros. Non, Morphel, attends. Transforme-toi en ballon géant. Oui. Orphel Tourni. Un vrai super-héros ne doit pas se battre. Un super-héros doit aider les gens. Orphel et Morphel vont aider. Oui. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Ah, Morphel, n'est-ce pas génial qu'il n'y ait rien de bizarre au zoo aujourd'hui? Ah! Il se passe quelque chose de bizarre dans le zoo. Le tigre se prend pour un pingouin. Les singes se prennent pour des tigres. Les pingouins se prennent pour des éléphants. Les animaux désorientés ont besoin de notre aide. Vite, transforme-toi en tigre. Parfait. Bien, va montrer à ce tigre confus comment il est censé agir. Morphel, aide les tigres. Toi en grue et remets cet arbre en place. Reviens, le singe. Oh, je veux dire l'éléphant, hein? Professeur Paola, qu'est-ce qu'il se passe? Mila, Morphel. La girafe a pris mon hypnorayon pour son goûter pendant que j'avais le dos tourné. Tigre, c'est pour ça que tous les animaux sont bizarres aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont d'autres animaux. Morphel, transforme-toi en dragon et récupère l'hypno-rayon. Fais vite. Morphel. Oh non. Qu'a
maintenant. Nous devons le récupérer avant qu'il ne nous atteigne. Maintenant, aidons les autres animaux. Attention aux girafes affamées la prochaine fois, professeur Paola. Vous vous êtes bien amusés à la foire, Mila et Morphle? Oui, et j'ai vraiment hâte de jouer au goûter avec la nouvelle poupée qu'on a gagnée. Morphle pense que le bébé ne veut pas de thé. Allez Morphle, rendons ces jours magiques. Animi, tu peux donner vie à notre poupée? Comme ça elle pourra vraiment participer. Bonjour Marie la bâtisseuse. Bonjour. J'ai besoin d'un animal magique pour m'aider à déplacer des briques très lourdes. Quelqu'un peut m'aider? Animi pourrait leur donner vie et ils pourraient se déplacer tout seuls. Ce serait génial. Nous revenons bientôt, Mila et Morphle. Bye bye. Non bébé géant, les friandises pour animaux magiques ne sont pas de la nourriture pour bébés. Transforme-toi en ballon. Je ne pense pas qu'amener le bébé à la vie était une si bonne idée. Emmenons-le voir Animi pour qu'il le transforme à nouveau en poupée. Oh non, bébé, arrête! Tu vas blesser Monsieur Vanderbouz et Barky. Morphle, transforme-toi en cerf-volant pour faire descendre le bébé de la voiture. Oh non! Arrête, bébé géant! Ce n'est pas de la vraie glace! Oh non! Mon camion! Désolé, Géraldo, on t'aidera à le réparer plus tard. Morphle, transforme-toi en camion à peine pour attraper le bébé. Morphle, mort, mort! J'ai une bonne idée. Berçons le bébé pour qu'il s'endorme. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tu l'as fait, Morphle. Animi, s'il te plaît, peux-tu rendre à notre poupée sa forme normale? Morphle pense que bébé est réveillé. Oh, s'il te plaît, fais vite, Animi. Mila, qu'est-ce qui se passe? Désolée, papa. La prochaine fois, on pourra jouer au goûter sans donner vie au jouet. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Ah, ce sérum de croissance des cheveux me donnera une magnifique chevelure, Barky. Oh! Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Daddy? Daddy poilu! Hein? Ah, oh, ce truc ne marche pas! Oh là là! Bonjour à tous! Hein? Ah! Un monstre! Hé, vous! Arrêtez-vous! Oh, un monstre poilu! Pas dans ma ville! Oh, ce n'est pas un monstre! C'est d'un... Recule, Mila! Cette chose a l'air dangereuse! Cours!
Stop! Tu ne m'échapperas pas! Bon, attrapons ce pulvérisateur de cheveux, puis trouvons Daddy pour le ramener à la normale au plus vite. Vite, par ici! Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, Monsieur Vanderbus. J'en ai vaporisé sur toute ma tête, mais regardez, je n'ai toujours pas de cheveux. Morphle, je sais comment on peut aider Daddy. Transforme-toi en singe. Faufile-toi là-bas et prends le pulvérisateur. Non, vraiment, je ne comprends pas. Beau travail, Morphle. Pas encore. Ça y est, je te tiens. Oh là là. C'est Daddy. Mila, je suis coincée à l'extérieur du centre des animaux magiques. S'il te plaît, viens me sauver. Nous sommes en route. Morphle, transforme-toi en kangourou. C'est l'heure de rebondir. Oui. Ne bouge plus. Attendez, s'il vous plaît. Oh non, non, non. Je t'ai eu. Non, le monstre est trop dangereux. Rapproche la camionnette. Morphle, transforme-toi en grue. Morphle, transforme. Wouhou. Bien joué, Morphle. Rapproche-moi de Daddy. Encore un peu. Voilà. Non, arrêtez-vous. Laissez mon daddy partir. Ce n'est pas ton daddy, c'est un monstre poilu. Ah oui? Ah, merci Mila et Morphle. Hein? Je ne comprends pas. Il y avait un monstre poilu là il y a une seconde. Ne vous embêtez pas avec ce truc. Ça ne marche pas du tout. Vous voyez? Hein? Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Morphle? Morphle veut s'amuser. Oh, ça a l'air sympa. Je sais. Morphle, transforme-toi en monstre truck. Monster truck. Oh. C'est quoi, Monster Truck? Ah ah! De la glace!
jour est un jour magique avec un animal magique. L'avion ne vole pas bien. Atmo, utilise tes pouvoirs magiques pour faire voler cet avion en papier. Tu ne pouvais pas savoir ce qui allait arriver. Hein? Morphle, où es-tu? Morphle! Oh! Oh! Mila! Oh! Morphle! Ce n'est pas assez fort. Morphle ne m'entendra jamais. On doit trouver un autre moyen. J'ai trouvé de la glace. Ce n'est pas le moment de manger. Mais non, papa. Morphle adore les glaces. Il va certainement s'arrêter ici pour en prendre une. Mila! Oh! Aucun signe de Morphle. Plutôt que d'attendre qu'il nous trouve, faisons-lui savoir où nous sommes. Mais comment allons-nous faire? Cette musique, quand il l'entend, il vient chercher une glace immédiatement. Très bon plan, Mila. Mila! Camion de glace, Morphle. Tu m'as manqué. Mila aussi manquait Morphle. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. As-tu hâte d'aller aider April à réaliser son projet artistique, Chroma? Allons-y. Transforme-toi en ours géant effrayant. Morphle n'aime pas faire peur. Ce sera amusant, Morphle. Allez, fais-le. D'accord, Mila. Allez, Morphle, faisons en sorte que cette journée soit espiègle. Je veux dire magique. D'accord, Mila. Après avoir peint avec April, nous pourrons tous manger une glace, Morphle. Morphle? Morphle! Ah! Un ours! Salut, Mila et Morphle! C'est une nouvelle transformation? Oui, oui, c'est ça! Morphle rugit! Hein? Maintenant! Ah! En avant, Morphle! Regarde, c'est April! Allez! April! Qu'est-ce qui s'est passé? Mila? Mais tu étais juste ici avec Morphle! Moi et Morphle? Oh! Ça doit être mon reflet du monde des miroirs! Mila la maléfique! Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter! Oh. Oh. Oh.
pour t'envoler. Marfel ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas ce que je voulais. Vrai, Mila? Oui, tu sais, j'étais tellement inquiète pour toi. Je vais leur montrer. Mila, la maléfique s'enfuit. Nous devons mettre Monsieur Miroir juste devant elle. Morphle, transforme-toi en hélicoptère. D'accord. Oh, tu dois rentrer chez toi. Jamais. En sécurité maintenant, Morphle. Morphle et Mila. Regardez, ceci est ma nouvelle invention, le Teddy Zapper. Il peut transformer les humains en ours en peluche. Hein? Oui. Ouh. C'est si doux. N'est-ce pas génial? Professeur Paula. Au revoir, Mila et Morphle. Maintenant, il est temps de me retransformer. Oh non! Mes pattes de nounours ne peuvent pas attraper le Teddy Zapper. T'as entendu ça? Ouais! J'adore les ours en peluche. Oh, imagine comme nous serions heureux si nous transformions tout le monde en ville en tout petit ours en peluche. Hop là! Oh! Ours en peluche, Mila! Meilleur ours en peluche! Oh! Bandy! Ils ont pris le Teddy Zapper! Pas dans ma ville! Nous allons arrêter ces bandits! Morphle, transforme-toi en tigre! Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Votre chapeau magique. Quoi? N'y pensez pas. Hey! Retransformez-moi immédiatement. Vous ne mettrez pas la main sur nos chapeaux magiques. Morphle, transforme-toi en T-Rex effrayant. Morphle. On n'avait pas pensé à ça. On doit encore trouver le Teddy Zapper. Vite, attrapons-les. Et si on vous transformait en ours en peluche? Le Teddy Zapper ne fonctionne que sur les humains. Non, je suis un ours en peluche. Oh, tu es si mignon. Ah, super. Maintenant, nous pouvons zapper tout le monde à nouveau. Ah, c'est mieux. Mais pas pour vous deux. Oh, c'est pas grave. Au moins, j'aurai un ours en peluche avec moi en prison. Yorn, lâche-moi. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Tiens, j'entends le bus, mais je ne le vois pas, Morphle. Oh! Hein? Minibus! Le bus et son chauffeur Stacy sont tout petits. Mais comment c'est arrivé? Je n'en ai aucune idée. Je conduisais comme d'habitude et soudain, je suis devenue minuscule. Nous devons te ramener à ta taille normale. S'il te plaît, dépêche-toi. J'ai des passagers à récupérer. On va t'aider. Morphle, transforme-toi en bus. Morphle, Morphle. Regarde, tout est minuscule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est l'officier Freeze? Ah! Oust! Éloigne-toi
de moi. Oh, merci Mila. Les bandits m'ont rétréci au moment où j'allais monter dans ma voiture. Je savais qu'ils étaient derrière tout ça. Mais comment allons-nous les trouver? Je sais. Nous allons suivre la piste des objets rétrécis. Marfel, transforme-toi en voiture de police et rendons cette journée vraiment magique. Marfel, un mini ballon de foot. Ah, bizarre. Un mini commissariat de police. Oh, ils ont même rétréci le camion de crème glacée. Quoi? Pas dans ma ville. Les bandits sont forcément passés par là. Mais où sont-ils maintenant? Une minuscule petite grue. On doit récupérer ce rayon rétrécissant. Attrape ces méchants bandits, Marfel. Donnez-nous ce rayon rétrécissant, vilain bandit. Jamais. Laissez-nous partir. Zap. Maintenant rétrécis, Marfel. Hé, qu'est-ce qui se passe? Marfel, attrapez Bandy. Merci pour votre aide, Mila et Marfel. Je pense que vous allez garder cette taille un bon moment. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Et merci encore de t'occuper du centre des animaux magiques quand nous serons partis, Augustine. Non, Morphle va rester ici avec les autres animaux magiques. Salut, Morphle. Tu es prêt à jouer? Ouais. Morphle ne veut pas que Mila parte. Partir? Mais je viens d'arriver. Daddy a dit Mila partir. Daddy ne ferait pas ça. Allez, j'arrive. Ce sont mes affaires. Daddy et moi allons vraiment déménager. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas laisser ça se produire. La camionnette devrait arriver d'une minute à l'autre. Je sais. Morphle, transforme-toi en camionnette. Dépêche-toi. Bip, bip, bip. Ah, la voilà. Beau travail, Morphle. Ah, vite, remettons le carton à l'intérieur. D'accord, ok, c'est bon. Pourquoi ce carton est à nouveau là? Oh non! Suivons-le! Mais, Daddy... Allez, viens, en voiture, Mila. Il se fait tard. Et que fais-tu de Morphle? Ne t'inquiète pas, il sera bien ici. Mais, Daddy... Youhou! Louis, je viens te remplacer. Tu es pile à l'heure, nous étions sur le point de partir. Morphle, emmène tante Augustine loin d'ici pour que Daddy ne puisse pas partir. Augustine? Elle a dû rentrer à l'intérieur. Ok, Mila, on y va. Non! Morphle, transforme-toi en hélicoptère. Ne nous laisse pas partir. Mila, reste avec Morphle. Oh! Hey! Hey! Oh. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Mila? On ne peut pas abandonner Morphle! Mila, ne t'en va pas! On part seulement pour l'après-midi? Juste l'après-midi? Mais alors on ne va pas déménager? Déménager? Où as-tu trouvé une idée pareille? Morphle t'a entendu remercier tante Augustine, oui, pour reprendre le centre des animaux magiques parce que nous déménagions sans Morphle.
Oh, tante Augustine a simplement proposé de s'occuper du centre pendant que nous allons faire des dons en ville. Oh, c'est pour ça que mes vieux vêtements étaient dans le carton. Morphle, pas rester seule. Nous ne t'abandonnerons jamais, Morphle. Nous sommes une famille. Oui. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Ça ressemble vraiment à Nimi. Viens, allons lui montrer. C'est notre chance, Yorn. On peut attraper Nimi. Une fois qu'Animi aura donné vie à notre animal magique, nous aurons la parfaite créature voleuse de bonbons. Yorn, vas-y. Il est vivant. Allez, va nous voler des bonbons d'Halloween. Animi plus là, allons le chercher. Oh, c'est toi, Morphle? Voler des bonbons? Pas dans ma ville. Eh bien, voilà mes menottes extra larges. Un géant, Morphle! C'est une sorte de Franken Morphle, et il vole les bonbons de tout le monde. Morphle, transforme-toi en loup-garou et sauve Géraldo. Oh, merci, Morphle. J'ai cru qu'il allait me manger comme une glace. Franken Morphle est en train de partir. Wow, Morphle, c'est vraiment un super costume. Mais où est Mila? Tu aurais dû demander si tu voulais des bonbons. Notre animal magique est si maléfique. Il est encore plus beau que je ne pouvais l'imaginer. Mais bonbons. Il faut retrouver Animi et annuler le sort jeté à Franken Morphle avant qu'Halloween ne soit gâché. Oui, joue le jeu, Morphle. Hé, Morphle, est-ce que ça te dirait de goûter à ces délicieux bonbons? Bonbons délicieux. Morphle, transforme-toi en balai et vole autour de Franken Morphle. Maintenant. Franken Morphle à la normale. Merci, Animi. Maintenant, vous, les bandits, allez devoir rendre à chacun ses bonbons d'Halloween. Les animaux magiques ne doivent pas seulement obéir à vos ordres, ils doivent vous faire confiance et être vos amis. Ce qui fait de chaque jour un jour magique avec un animal magique. Voici Robot Freeze. Une version robot de l'agent Freeze qui combat le crime. Il est vraiment bel homme. Robot Freeze a trois réglages. Désactivé, indulgent et strict. Faisons une démonstration. Mila, peux-tu jeter des déchets, s'il te plaît? Veuillez ramasser ce détritus. Morphle, transforme-toi en pince à déchets. Merci. Tu es une bonne citoyenne. Testons la version stricte du robot. L'incivilité est une maladie et je suis le remède. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce qui se passe? Reposez-moi! Je pense que j'ai fait le réglage strict un peu trop strict. Oh, Morphle, il faut que nous désactivons le robot Freeze en appuyant sur le bouton de sa poitrine. Allez, viens. Stop!
Je vous arrête pour avoir marché sur l'herbe. Ah, et je ne marchais pas sur l'herbe. Vous alliez le faire. Hein? Morphle, hein? Attrape le robot Freeze. Ah! Ah! Activation du super jetpack. Oh, Morphle, transforme-toi en super costume. Morphle, allons-y. Plus vite, Morphle. Oh, il est trop rapide, Morphle. Mais comment attraper un policier? En causant autant de crimes que possible. Oh! Votre grue est trop bruyante. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Je vais laisser tomber ce papier. Restez dans votre véhicule, citoyenne. Je vais revenir. Il arrive! Morphle, transforme-toi en voiture de police. Morphle! Ne jetez pas ça par terre. Je vous arrête. Vous devrez d'abord m'attraper. Robot Freeze piégé. Laissez-moi sortir. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir été trop strict. Je n'avais jamais eu à m'arrêter moi-même avant. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Monsieur Miroir, pouvez-vous nous montrer ce qui se passe dans le monde des miroirs? Ceci est tout à fait dans mes cordes, Mila. Morphle aime le monde des miroirs. Morphle. Non, 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 Morphle, remets-le à sa place, vite. C'est Morphle. Dans le monde des miroirs, tout est à l'opposé de ce qui se passe dans notre monde. Et comme Morphle est très amical, j'ai peur qu'Orphle ne veuille faire que de mauvaises choses. Bien vu! Il ne faut pas qu'Orphle se promène dans la ville et sème la pagaille. Viens, Morphle, jouons un peu avec Chroma. Bonjour, Morphle. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, officier police! Hein? Oh, oh, oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh. Morphle! Morphle! Tu ne peux pas juste me laisser ici! On dirait que quelqu'un te cherche, Morphle! Te voilà, Morphle! Maintenant, fais-moi redescendre d'ici! Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de manigance. Bien sûr, non. Comment ça, non? C'est pourtant toi qui m'as mis sur le toit. Mais Morphle était avec nous à l'intérieur pendant tout ce temps. Non, il m'a mis sur le toit et il en riait. Comme ça. Oh non, ça ressemble à Morphle. Oh, nous devons le trouver. Quelque chose? Hein? Oh! Hé! Hey, c'est quoi le problème ici? C'est vraiment pas drôle, Morphle! Mais si lui c'est Morphle, c'est qui lui? Et qui est le vrai Morphle? On doit s'assurer qu'Orphle ne puisse plus prétendre être Morphle. Chroma, pas Orphle en vert. Orphle vert? J'espère qu'Orphle ne nous refera plus le coup. J'ai vraiment hâte de voir la tête que va faire April.
Je l'ai invitée à venir jouer. Et elle ne se doute de rien. April va vraiment adorer ses ballons. Ok, chut. Tout le monde va devoir se cacher. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Oh, oh non! Les ballons s'en vont. Lila, April est là. J'arrive tout de suite, Daddy. Les garçons, retenez April pendant que Morphle et moi récupérons les ballons. C'est d'accord. Morphle, vite! Transforme-toi en hélicoptère pour qu'on puisse rattraper les ballons. Morphle, bien joué, Morphle. Morphle, est-ce que tu vois des ballons? Là. Oui, poursuis-les. Presque. Les voilà. Oh non. On arrive. Salut April. Jordi, Troy, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Mila nous a invités à jouer aussi. Cool. Allons jouer à l'intérieur. Attends. Vite, regarde par ici. Je ne vois rien. Laisse tomber. Ils sont là. Vite, suis-les. Merci, monsieur l'éléphant. Oh non, les défenses de l'éléphant vont éclater les ballons. Oh, attention, Morphle. Presque. Oh, encore. Vite, Morphle, suis-les. Morphle, transforme-toi en avion pour qu'on puisse voler au-dessus du chantier et attraper les ballons avant qu'ils n'éclatent. Marie la bâtisseuse. Oh. Oups. Désolée, Mila et Morphle. Suis ces ballons. Plus vite, Morphle, plus vite. Je les ai. C'est du beau travail, Morphle. Oui. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour surprendre April. Hein, Mila? Tu es pile à l'heure. Sérieusement, les gars, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien. Ouch. Désolée, mais je rentre. Surprise. Joyeux anniversaire, April. Oh, waouh. Vous avez fait tout ça pour moi. Merci. Et des ballons, mes préférés. Où est passé Morphle? Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Mila, Morphle, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphle, transforme-toi en maison volante. Mila, Morphle, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphle pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison de la nature? Bien sûr. Super. On pourra tous voler dans la maison volante de Morphle. Le désert est chaud et sec. C'est la maison parfaite pour un chameau. Morphle, regarde, c'est un dragon. Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison. Pas vrai, Morphle? Oui. Oh oh. Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Oh oh, mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas. Regarde, Morphle, c'est un volcan. C'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphle et moi de rentrer à la maison. Ah,
maintenant je comprends. Tu es un animal magique. Peu importe où les animaux magiques se trouvent dans le monde, ils ne se sentiront jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphel. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Êtes-vous prêt à réaliser 3 peintures en un seul jour? C'est parti! Morphel, transforme-toi en pinceau! Morph-morph! Allez, faisons de l'art! Vous avez dégradé ma grange. Je ne comprends pas. Notre travail était parfait quand nous sommes partis. Attendez une minute. Orphel, as-tu fait de la peinture aujourd'hui? Oui, Orphel peintre. Peux-tu me dire ce que tu as peint? Tableau, voiture, grange. Peinture amusante. Orphel, tu as peint des choses que tu ne devais pas toucher. Veux-tu nous aider à tout réparer? Oui! Bien! Morphel et Orphel, transformez-vous en pinceau! Morphel et Orphel, Morphel! Magnifique! Vous avez su capturer ma beauté! Oh! Je sais! Morphel et Orphel, transformez-vous en éléphant! Morphel et Orphel, Morphel! Fantastique! Ma voiture est comme neuve! Il nous faut quelque chose de plus puissant que les éléphants pour ça! Oh, je sais! Morphel et Orphel, transformez-vous en camion de pompiers! Morphel et Orphel, Morph-morph! Merveilleux! Vous avez refait une beauté à ma grange! Merci de nous avoir aidés à tout remettre en ordre, Orphel! Orphel, grand-père! Regardez! Allez les amis, on a encore beaucoup de peinture à faire. Ah, ouais, c'est Halloween, Morphel. Tu vas te déguiser en quoi? Fantôme. Ouh, effrayant. Bon, allez, allons faire la chasse aux bonbons. Fantôme. Hein? Oh, Morphel. Ce n'est que ton reflet. Mila, attends, Morphel. Des bonbons, un sort. Un fantôme. Est-ce que tu as vu combien de bonbons ils ont eu? Il faut les effrayer pour tout rafler. Mila, Morphone, de vrais fantômes viennent de voler mes bonbons d'Halloween. Mais Jordi,
Les fantômes n'existent pas. Alors qu'est-ce que c'est? Non! Morphel, transforme-toi en gros robot et fais fuir ces fantômes! Morphel? Je vais prendre ça, merci! Oh! Je vais te zapper avec mon zapper! Un zapper! Morphel? Jordi? Mila! À l'aide! Quoi encore? Je prends ça! Et moi ça! Oh! Je reconnais ces chaussures! Oh oh! Rendez-les-moi! Sans Morphel, tu ne peux pas nous arrêter! Mila! Morphel! Je m'inquiétais pour toi! Transforme-toi en chauve-souris et bat très fort des ailes! Morphel! Morphel! Oh! Je savais que c'était vous deux! Fuyons! Oh! Oh! Nos bonbons! Morphel, transforme-toi en araignée et capture ces bandits dans ta toile! Merci, Mila et Morphel! Mais avec plaisir! Merci de nous avoir aidés, même si tu avais peur. Morphel n'a plus peur, maintenant. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Bien attrapé, Mila. Il a atterri dans mon chapeau. Un requin! Il y a un requin! Transforme-toi en bateau de course pour qu'on puisse vite aller l'aider. Morphel, Morphel, à la rescousse! Youhou! Oh oh, Morphel coincé. Tu es coincé dans les algues. Je vais t'aider, Morphel. Oh! Tu vas bien? Je vais bien, mais je n'ai pas vu où le requin est allé. Je suppose qu'il est reparti. Morphel, tu dois te retransformer en toi-même pour te libérer. Ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité, je te le promets. Nous sommes avec toi et ce stupide requin n'est plus là. Allons jouer. Et si on faisait la course pour regagner la plage? C'est parti. Le requin est de nouveau là. Morphel, connais ce requin, non? Je pense qu'Orphel fait juste semblant d'être un requin effrayant. Il nous fait une farce. Ce n'est pas très gentil. Non, tu as raison. On devrait peut-être montrer à Orphel ce que sa farce nous a fait ressentir. Morphel, s'il te plaît, transforme-toi en un plus gros requin qu'Orphel. On ne veut pas être méchant, Morphel. Nage simplement autour d'Orphel. Morphel, ce n'est pas un vrai requin. C'est Morphel. Tu nous as fait une blague. Alors je voulais te montrer à mon tour ce que l'on ressent. Morphel, désolé. Je suis sûre que tu ne voulais effrayer personne. Morphel veut jouer. Pourquoi ne pas jouer à un jeu tous ensemble? Ouais, ouais. On pourrait jouer à cache-cache. Ou au polo dauphin. Morphel et Orphel pourraient se transformer en dauphin et on pourrait les chevaucher. Morphel et Orphel, oh, oh. Ne laissez pas le ballon tomber dans l'eau. Oh, ce
ce n'est que moi. Ce n'est pas un requin. C'est papa qui porte son chapeau aileron de requin. Oh, papa. Hé, hey, que diriez-vous d'une course entre papa et les dauphins? Ouais. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Nouveau drone. Oh, cool. C'était incroyable, Jordi. Merci, c'est le meilleur que j'ai jamais eu. Je veux ce drone. Oh, mon drone, il vole tout seul. Venez. Wow, ce truc est difficile à diriger. Ah, un nouveau jour se lève paisiblement. Wow, mais qu'est-ce que c'est? Mais pour qui tu te prends? Oh, oh, Officier Freeze! Oh, comment est-ce qu'on pilote ce truc? Quelqu'un peut m'aider? Pas d'inquiétude, Officier Freeze, nous volons à votre secours! Vite, Morphle, transforme-toi en camion de pompier! J'arrive, Officier Freeze! Attrapez ma main! Hop! Merci à vous trois. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin volant? C'est mon nouveau drone. Mais là, il vole tout seul. Non, il ne vole pas tout seul. En fait, c'est Winston qui le pilote. Regardez. Arrête-toi, stupide drone. Suivons-le. Morphle, transforme-toi en grue. Morphle, Morphle. Maintenant, tracte le bus sur la route. Bien joué, Morphle. Merci, les amis. Ouf, c'était mine. Le drone, suivons-le. Reviens ici. Stop, arrête-toi. Il faut qu'on récupère la télécommande. Et je sais comment faire. Morphle, transforme-toi en hélicoptère. Ouais. Obéis, vilain drone. Reste stable, Morphle. Morphle, ici. Merci. Dépêche-toi, Mila. Travail, Mila. Et voilà, Jordi. C'est comme ça qu'on pilote un drone. Bien joué. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique.